Alors bonjour tout le monde, bah, comme tous les lundis, petite vidéo pour les prédictions de la semaine. Franchement, je n'avais pas trop envie de les faire ce matin, mais je me suis dit si pour les personnes qui me suivent régulièrement, je vais les faire. Parce que vu la situation, je sais pas, ça sent pas bon. Avec ce qu'ils essaient de nous mettre en ce moment avec le truc global, etc., etc. Je me suis dit là, on va vers une petite catastrophe monumentale. Ça, des trucs comme ça, on en parlera cet après-midi si vous voulez bien. Surtout qu'en plus là, ils essayent d'après ce que j'ai cru comprendre par rapport aux publications. Ils essaient de mettre le revenu universel. Après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un piège à con là-dessous? Mais ça, on en parlera tous ensemble cet après-midi, si vous voulez bien. Pour l'instant, on va faire le tirage comme d'habitude pour les prédictions de la semaine au niveau de la France. Hein. Donc, je mélange. Voilà. J'aimerais bien avoir un bon jeu de temps en temps quand même. Depuis un certain temps, là j'ai un jeu quand même assez pourri, on peut le dire. Hein. Donc Véronique, Evelyne, Pierre-André, Jean-Marie, Marie-Thérèse et Christiane m'ont donné le 8. Le pape en droit. Claudie, Jacqueline, Delphine, le 4. Qu'est-ce qu'il y a? Les étoiles en vert. Frustration. Quête Christian, le 15. 13, 14. L'impératrice en vert. Karine, Geneviève, Nadia, le 10. La force en vert. Ludo, Aurel, Bibi, Patrick, le 11. 1, 11. La lune en vert. Martine, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'ermite en droit. Linette, Émilie, le 20. Le pendu en vert. Billy Bob, Patricia, Brigitte le 3. Le soleil en droit. Monique, Jean-Pierre et Gaël le 5. 5. Et nous avons le char en vert. Bah, ça va pas changer grand chose par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière, hein, sauf que là, bah, on a énormément de frustration par rapport à la situation actuelle entre le virus, etc. Le problème, c'est qu'on se sent de plus en plus seul par rapport à tous ces problèmes qu'il y a en France, en l'occurrence, bah, le chômage, la précarité qui se fait de plus en plus, malheureusement. Il y en a qui s'en sortent encore parce qu'ils ont le télétravail, etc., etc. Mais on voit qu'il y a vraiment un désastre qui se prépare d'une puissance phénoménale. Parce qu'en même temps, l'État, par rapport à ce qui se passe avec le Covid, ben, va au jour le jour. Là,
Je suis sûr et certain que malheureusement il va nous déconfiner, enfin si, ce qu'on peut appeler un déconfinement, hein, façon de parler, puisque on doit rester chez soi, mais en même temps on doit aller travailler. Voilà. En même temps, ça permet à l'État de, bah, d'empocher pas mal d'argent avec les contraventions pour un oui, pour un non. Bon, en même temps, voilà, y a des attestations un peu cheloues, là. L'autre fois, c'est Nini qui m'en a parlé, Virginie qui m'en a parlé. Elle me dit, ouais, attends, le mec, il s'est fait choper avec son attestation où c'était marqué, il a fait une attestation pour aller, en marquant qu'il voulait les casser la gueule à un mec. Voilà, elle est bonne, l'excuse pour sortir. Mais voilà, c'est bon. Par contre, je suis moi, ça me dégoûte un petit peu là-dessus. C'est que quand je vois la police qui enfin, les forces de l'ordre qui mettent un PV, un petit papy de 80 et quelques années qui va sortir son chien, qui bah, je suis désolé, mais bon, voilà quoi. Il y a des limites dans ces cas-là. Faut être un petit peu indulgent. Et puis bon, bah, voilà, il a 80 ans. Il promène son chien. Il a oublié son attestation. Bon, c'est pas grave, quoi. Il y pensera la prochaine fois. Simplement lui dire, monsieur, pensez à votre attestation. Pas lui coller une amende de 135 euros. Voilà. Il y a avec c'est ça qui est fou avec nos chères et tendres forces de l'ordre, c'est qu'ils ont aucune pitié ni quoi que ce soit. Voilà, c'est même si t'as 80 ans, bah tu vas la payer ta amende et puis tu vas fermer ta grande gueule. Voilà. Donc il faudrait peut-être qu'un petit peu que les policiers, les forces de l'ordre soient un peu plus indulgents sur certaines personnes. Personne de 80 ans, franchement, c'est un peu normal qu'elle puisse oublier son attestation. Ou parce qu'elle est à plus d'un kilomètre de chez elle, boum, on l'aligne. Tout ça énerve le peuple, tout ça frustre le peuple. Et ça, les forces de l'ordre n'ont pas encore compris. Ça va arriver à un moment où il va y avoir un contrôle à un carrefour, il va y avoir, ou n'importe où, hein, il va y avoir un contrôle, et puis bah le mec qui va péter un câble, il va prendre il sera en bagnole et puis il va foncer sur les forces de l'ordre. Ça s'est déjà arrivé, hein, et là ça va arriver de plus en plus. On arrive à un certain niveau de violence par rapport à ça. En plus comme je vous dis, les forces de l'ordre se sentent de plus en plus forts à cause de la fameuse loi là en question, là qui n'est pas encore tout à fait passée, mais je suis sûr et certain qu'il va passer. C'est pour ça qu'il y a eu des manifestations ce week-end. Et donc là, on ne va pas le cacher, la violence, on l'a vu ce week-end, hein, la violence se fait de plus en plus présente. Jusqu'au jour où ben, les manifestants vont vraiment tellement en avoir ras-le-bol. Que là, ils vont répondre aux forces de l'ordre. Et là, les forces de l'ordre disent, ah oui, merde, il va nous arriver une bricole sur la gueule. Bah oui, mais ça sera trop tard, messieurs. Parce que c'est bien beau de jouer aux cow-boys, mais au bout d'un certain temps, ça énerve un petit peu trop les Indiens, et puis bah, ça vous tombe dessus. Et ça, fera pas. Voilà. Moi, je suis toujours persuadé, et j'en parlerai à la vidéo de fin d'année, que Macron n'ira pas jusqu'à la fin de son mandat, ça c'est sûr et certain. Mais là, mardi, moi, il va nous annoncer des trucs à la con, comme d'habitude. Malheureusement, il va nous apprendre qu'il va déconfiner. Bah oui, les gens qui vont prévoir Noël, etc., etc., ils vont pouvoir dépenser leur argent, donc rapporter de l'argent à l'État. Et en plus, il y a les vacances de Noël et pas les vacances d'hiver pour certaines personnes que je ne citerai pas. Pour aller faire du ski, etc. Donc dépenser. Le problème, c'est que si les restaurants, etc., etc., n'ont pas le droit d'ouvrir, eh ben, il va y avoir un gros problème.
En plus, là, avec toutes les entreprises, malheureusement, les commerces, il va y avoir, on va apprendre qu'il y a énormément de suicides parce que les gens vont péter un câble, quoi. Les commerçants, le mec qui a passé 30 ans dans sa boutique à bosser, puis obligé de mettre la clé sous la porte à cause du confinement, mais là, c'est un confinement complètement débile. Les lois, les trucs qui ont été mis à la place, en place, par exemple. Pourquoi on n'a pas le droit, les magasins n'ont pas le droit de vendre un bouquin de Victor Hugo ou un truc comme ça, mais par contre ils ont le droit de vendre un bouquin comme Gala. Comme si c'était ça qui allait diminuer le Covid. Ils n'ont pas le droit de vendre une machine à laver, ou etc. Par exemple, ils ont le droit de vendre un batteur électrique. Vous voyez, ça ressemble à rien, quoi. C'est complètement idiot. Là, ce que l'État a fait, c'est du n'importe quoi. Ça ressemble strictement à rien. Ils essaient d'inventer des trucs à la con, mais ça sert strictement à rien, quoi. Et là, les gens, en plus à cause de ça, sont de plus en plus énervés. Nous, je vois par exemple, on est coincé parce qu'on ne peut pas acheter de machine à laver de linge, alors que la nôtre nous a lâché il y a un mois. Là, je vois, j'ai Virginie, administratrice sur Facebook d'un groupe qui s'appelle Donne sur Vervins, Donne dans l'Aisne. Et ben, il y en a un qui veut se mettre en ménage, mais il peut rien acheter. Donc, il cherche le moyen d'avoir de l'électroménager, etc., etc. Le mec, il a rien. Mais il peut pas acheter de machine à laver, il peut pas acheter de frigidaire, il peut pas acheter de congélateur, il peut pas acheter de table, même de télévision. Rien. Parce que c'est interdit à la vente. Par contre, il va dans un magasin acheter un journal Gala, qui est complètement débile, et ben là, il va pouvoir l'acheter. Vous voyez, c'est pour ça que les gens en ont franchement ras-le-bol, c'est pour ça qu'il y a énormément de frustration, à un moment ou à un autre. Ça va franchement péter, quoi. Là, c'est vraiment là. Il manque juste la goutte d'eau, hein, pour faire tout déborder, hein, c'est clair. Et moi, je pense que la loi qu'ils veulent sortir, là, la fameuse loi globale, là, ou je sais plus comment elle s'appelle, il manque juste cette goutte d'eau pour que si elle est approuvée, mais là, ça part en cacahuète, quoi. C'est clair, net et précis. Donc voilà ce que je voulais dire sur la France. On est un peu, franchement, dans la merde. Comme dirait un professeur sur un carnet de correspondance, votre fils creuse a touché le fond mais creuse encore. La France, c'est ça, on a touché le fond mais on creuse encore. Alors, le deuxième tirage, je vais le faire sur quoi? J'ai bien envie de le faire sur ce fameux vaccin. Je sais pas ce que vous en pensez parce que tout le monde en parle. Est-ce que ce vaccin va être efficace? Enfin, l'un des trois vaccins qui vient de sortir, parce qu'il y en a trois ou quatre. Mais là, c'est des milliards d'euros que ça va rapporter, faut pas l'oublier. Va être efficace. Alors, bien entendu, il y en a tout de suite, ouais, le vaccin, j'en veux pas, il va y avoir la puce machin chose dedans. On va être suivi, on va être traqué. Dans ces cas-là, si tu veux pas être traqué, il n'y a pas besoin d'une puce pour ça, t'as juste à arrêter. Si tu veux pas être traqué, faut que tu arrêtes ton téléphone portable, faut que tu arrêtes Internet, faut que tu arrêtes de te servir de ta carte bleue, faut que tu arrêtes de te servir de tes cartes de fidélité dans les magasins. Voilà. Avec ça, rien qu'avec ça, on peut te traquer. Et puis même ton GPS, hein. Avec ça, on peut te traquer n'importe où, n'importe comment. Voilà. Alors, on peut même savoir, l'État peut même savoir ce que tu as acheté. Tous les mois en course, hein, au détail près. Hein. Tiens, monsieur a acheté une bouteille de whisky, telle date. Hein, ça, c'est clair, ils peuvent te le dire, même à l'heure que tu l'as acheté. Donc, on va faire sur les fameux vaccins, voir s'il y en a, si ça va être efficace ou pas. Donc, Sylvie, Astalia, Stéphane, Dominique, Myriam, le 7. Nous avons les étoiles en droit, donc il y a réussite. Violette Margot, le 1. Le monde en vert, donc ça va pas changer grand-chose, mais ça va peut-être permettre aux gens de se
disons que se prémunir. Daniel le 22. 20. La tour en droit. Édouard Françoise le 9. L'empereur en droit. Fabrice le 17. 17. La tempérance en vert. Martine Sophie le 6. Le soleil en vert. JS le 12. 12. La papesse en droit. Kamel Bastien le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Le battleur en droit. Et comme il me manque un chiffre, et ben on va demander à votre mascotte et votre petite starlette de venir choisir la carte en question. Alors mon bébé, tu vas déjà dire bonjour à tout le monde. Bonjour tous les gens. Et tu me tires une carte, s'il te plaît. Oui. Au hasard, celle que tu veux. Celle-là? Hop, tu donnes à papa. Et nous avons la mort en vert. Merci bébé la mort. Donc vous voyez, là, la dernière carte a été tirée par la main, par une main innocente. Hein. On ne peut pas dire qu'à 4 ans et demi, il a eu ses idées arrêtées. Donc moi, je vois qu'il y a une réussite par rapport à un des vaccins qui va sortir. Ça va permettre de sauver des vies. Mais ça ne va pas encore être vraiment ça, quoi. Malheureusement, faut savoir que même s'il y a des personnes qui disent que le virus est une invention, etc., 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 ce virus va, enfin, ce vaccin va pouvoir aider certaines personnes à s'en sortir. Faut savoir que malheureusement, dans le monde, on a dépassé les 1 300 000 morts, mais ça, attention, je dis ce chiffre-là, et je le répète bien, c'est l'Institut John Hopkins qui nous annonce, qui nous dit ce chiffre, mais ça ne concerne que dans le monde, juste les hôpitaux et les EHPAD. Ça ne concerne pas les morts qui sont morts chez eux du Covid. Je le répète bien, je l'ai déjà dit. Et on va prendre par exemple les États-Unis, pour ne citer que ce pays qui est soi-disant un pays des libertés. Faut savoir qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas une mutuelle, enfin on peut appeler ça une mutuelle, vous avez les moyens de payer, enfin qui ont les moyens de payer les soins, vous arrivez à l'hôpital parce que vous êtes malade, si vous n'avez aucune garantie, on vous renvoie chez vous, sans vous occuper, sans vous dire, bah voilà, on va vous soigner quand même. Voilà. Donc par exemple, on prend le cas des États-Unis, combien de personnes sont mortes chez eux du Covid? Parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'hôpital pour se faire soigner. Il y a beaucoup, malheureusement, de précarité aux États-Unis. Donc voilà, déjà, rien que eux, déjà, ça doit représenter quand même une certaine population de personnes qui sont mortes du Covid sans être déclarées Covid. Bon, et la Chine, par exemple, on prend la Chine, qui, elle, a menti énormément sur ses chiffres. Bah en même temps, voilà, la Chine est un pays qui cache énormément de choses. Donc ils ne vont pas s'amuser à dire oui, nous on a eu tant de millions, tant de personnes de mortes du Covid. Bah non, il faut passer pour le bon élève. Bah voilà. Il y en a qui m'ont marqué sur Facebook.
qui ont marqué sur Facebook. Oui, je comprends pas, la Chine, elle est déconfinée et ils ont pratiquement plus de morts. Déjà, ils mentent, mais en même temps, il faut savoir que les Chinois, eux, par rapport aux Français, ont été très disciplinés. C'est-à-dire que l'État leur a dit, vous restez chez vous, ils sont restés chez eux. Ce qui n'a pas été le cas en France. C'est ça qu'il faut voir aussi. Eux, ils ont dit, l'État leur a dit, vous êtes confinés, ok. Ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas fait comme en France, ou sortir pour un oui, pour un non, etc., etc. Le Français était très indiscipliné par rapport à la Chine, qui, eux, sont très disciplinés par rapport, et même encore. On voit la preuve où, je vois par exemple ma voisine. Mais elle est fourrée tous les 4 matins à droite à gauche. Ben voilà. Vous voyez, le truc il est là. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc voilà. Moi je suis sûr et certain qu'il y a un des 4 ou 5 bassins qui va sortir, qui va être efficace. Au moins un. Maintenant, lequel, mystère. Parce que tout le monde va essayer de tirer la couverture vers soi, en disant c'est nous qui allons faire le buzz. Moi je dis, comme dit Nini, le vaccin russe. Ouais, peut-être parce qu'il a quand même le Poutine a quand même eu le courage de faire vacciner sa fille avec le vaccin en question. Je sais pas, si votre vaccin, vous n'êtes pas sûr du vaccin, vous mettez pas la vie de votre enfant en danger, quoi. Avec un vaccin qui n'est pas sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous imaginez, on vous dit, bah voilà, le vaccin est pas sûr, mais est-ce que vous accepteriez de vacciner votre enfant? Bah non, je pense pas. Voilà. Bon, maintenant, pour l'instant, de toute façon, les autres vaccins, pour l'instant, sont en test. Donc à voir. Mais il va y avoir quelque chose qui va sauver une majorité de la population. Il y en a aussi qui m'ont sorti, et ça, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Oui, l'oligarchie mondiale veut détruire 90% de la planète. Mais après, ils vont faire comment pour gagner de l'argent? S'ils détruisent 90% de la population mondiale. Vous imaginez ce que ça représente, 90% de la population mondiale? 10%, on est 7 milliards. Ça fait que 7 millions d'habitants. Ils vont faire comment pour gagner de l'argent, puisque le truc qui fait gagner de l'argent dans le monde, c'est les ouvriers. Donc obligatoirement, il faut du monde pour acheter ce qui est fabriqué. Alors on me dit oui, ça va être fabriqué par des robots. Ah oui, mais si t'as pas d'argent pour acheter les produits en question, ça revient au même. Donc c'est pour ça, c'est quoi ton idiot? Voilà, il y a certains complotistes qui vont chercher midi à 14h comme c'est pas possible, quoi. Comme une certaine vidéo qui est passée où il y avait un mec. On a regardé son YouTube où le mec affirme haut et fort que la Lune est creuse et que c'est un satellite artificiel. Ouais, pourquoi pas? La Lune a 4,425 milliards d'années. À quelque chose près. Voilà, c'est les petits hommes verts qui sont venus la creuser à l'appel. Ah bah allez savoir, hein. Il y a quelques millions de terres à retirer quand même. Hein. Donc vous voyez, c'est ça. Il y en a une, elle me dit, ouais, mais on voit toujours la même face de la Lune. C'est pas normal. Mais oui, mais ma cocotte, la Lune a une rotation de 29 jours et 6 heures, si mes souvenirs sont exacts. J'ai marqué ça sur un papier. Sa rotation est de 29 jours. C'est pour ça qu'elle tourne très 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 lentement. C'est pour ça que tu as l'impression de voir toujours la même face, mais non, elle tourne sur elle-même. Mais elle fait une rotation complète en 29 jours et quelque chose. C'est comme elle fait le tour de la Terre en 27 jours et quelque chose. Voilà. Avant d'affirmer quelque chose, il faut déjà se renseigner un petit peu. Et c'est ça qui m'énerve chez les gens, c'est qu'ils voient quelque chose, ils l'affirment tout de suite, mais ils vont pas chercher dans les détails. Allez chercher les renseignements là où vous avez Internet pour ça. Vous avez des sites Internet qui sont très intéressants, où ils vous expliquent le pourquoi du comment. Et c'est des scientifiques qui vous le disent.
Voilà. Soi-disant, voilà, comme dit Lini, d'après encore nos chers et tendres complotistes, tous les scientifiques, quels qu'ils soient, font partie de l'ordre mondial. Sauf un, soi-disant, qui est en procès d'ailleurs, et qui risque de perdre son droit d'exercer. Donc voilà. Il y a des avantages, mais pour l'instant, on est un petit peu dans les spectatives. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je sais que j'ai pas beaucoup, beaucoup fait avancer les choses. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Ça ne bouge pas beaucoup en même temps. Bon, à part les manifestations qui commencent à devenir de plus en plus violentes. Mais ça, malheureusement, faut attendre. Et puis, il faut attendre la réaction des gens par rapport à certaines situations. Moi, je vais vous dire un truc, les annonces de Macron mardi, c'est-à-dire demain, je les sens pas bon du tout, quoi. Il va nous sortir des trucs à la con, il va nous encore essayer de nous endormir. Ça, le problème, c'est que les gens commencent à ouvrir les yeux et s'aperçoivent que ben on est pris vraiment pour des cons, et en même temps on est pris pour des gamins, quoi. On voit ça avec, par exemple, à la télévision. Les publicités où vous avez mangerbouger.fr. Limite, on doit nous dire, l'État va nous dire ce qu'on doit bouffer dans nos assiettes. Vous voyez, ça devient aberrant, quoi. Donc voilà, donc je vous dis rendez-vous cet après-midi à partir de 14h, 14h30 pour un live. Et sinon, ce soir, 20h sur cabinetmedium.fr pour en discuter, si vous avez besoin de voyance, etc., etc. N'hésitez pas à venir, je vous rappelle que le site et l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits, ça vous engage rien, on va pouvoir pas vous mettre un couteau sous la gorge en vous disant prends un forfait, et ça je le lis et je le répète, mais bon, je sais pas, vous avez peur de venir, mais c'est dommage, parce qu'à des moments, franchement, on a des parties de rigolade, en plus vous allez nous voir, Virginie et moi, en live. Sur ce, je vous dis bonne semaine, bon courage à tous. Amis commerçants, tenez le coup. Même si le Black Friday arrive bientôt, c'est reporté au 29. Ah, c'est reporté à début décembre maintenant? Ah, c'est reporté au 4 décembre, le Black Friday. Bon, en même temps, je suis pas trop. Donc voilà. Donc je vous dis à Oui, mais tu m'en as parlé, mais bon, ça m'est sorti de la tête, hein, j'ai trop de trucs en tête. Bon courage à tous et puis à bientôt.